En fait, ça prend. Il y a tout le film à partir du moment où les Goonies sont sur la planche pour aller vers l'arbre. Et il y a tout le film comme ça, storyboardé. Et sur le site Goonies, en fait, je vais faire ça peut-être vers décembre, janvier, je sais pas comment. Je vais prendre le film et je vais faire des comparatifs au storyboard des films. Ça peut être assez intéressant à voir. Et sachant qu'en plus, il y a pas mal de scènes coupées. Et là aussi, d'ailleurs, c'est un storyboard, ça par contre, c'est une copie, hein. j'ai pas d'original, j'ai raté aux enchères. Dedans, il y a des scènes coupées, notamment avec des singes en fait. Parce qu'à la base, quand Sina qui est choquant, c'est dans les échos, il y a une séquence où en fait, il passe sous un zoo, et en fait, il y a toute une histoire avec des singes qui veulent s'échapper, sur un chariot, ça c'est ridicule. Et en fait, les singes, ils ont fait, ils n'ont jamais tourné la séquence, et ils ont récupéré les singes pour jouer dans le bruit. Donc c'était pas. Alors ça en fait c'est un. Bah, je pense que vous allez le reconnaître. Hein. C'est le même truc que dans le film en fait. Le bouquin vous pouvez le trouver très facilement sur Adelbooks. Moi je suis la com en fait, eBay Adelbooks. Et donc vous pouvez le trouver très facilement, les prix varient un petit peu, mais c'est pas très cher. Ça c'est une bible pour tous ceux qui aiment les Goonies. Hein. Ça vous pouvez le trouver très facilement sur eBay, pas très très cher. eBay, mais ça je vous cite toujours. Alors là c'est une petite bible, il y a pas mal de choses. Les photos de tournage. C'est quelqu'un a acheté de l'eau. Parce qu'en fait dedans il y a un facsimilé de ça. N'hésitez pas. Ça c'est un logiciel de création japonais, pareil. Il y a pas mal de photos de tournage. Voilà, par exemple, ça c'est une fin fanatique pour la maison des Goonies. En fait, je ne comprends pas du tout quoi cette histoire. Je raconte vraiment ça. Vous voulez vraiment découvrir quelque chose, acheter le roman chez Gilbert, 90 centimes sur Price Minister. C'est quelque chose de vraiment génial. Mais là c'est le roman. C'est encore autre chose. Le scénario, c'est la base, ouais. Après, non, il va y avoir une dispute de cinéma. Et le roman, il y a tout qui s'est coupé en français. Le scénario, c'est le fait, donc les gens ne savent pas l'anglais. Après, si vous voulez avoir une définition, c'est qu'il y a de l'anglais, bon, c'est pas ça du tout, en fait, mais ils ont fait ça, c'est un truc personnel, en fait, pour tous les réalisateurs. C'est une référence, en fait, plus ou moins à la Rambine. Ça c'est des badges de tournage, c'est des gens qui ont travaillé sur le film. Ça c'est un badge de la ville en fait, un hommage au film. Ça, c'est l'objet de chez ILM dans les années 80. C'était donné aux gens qui ont travaillé par Indiana Jones, c'était pour en fait. Des années 80. Ça, c'est deux pièces originales de tournage. Vous pouvez la voir dans le film à partir du moment où ils sont sur le plateau. Alors, ils en ont produit 10 000, pour ça, c'est pas gros chose. Et il y en a plusieurs différentes. Donc, et vous pouvez aussi les voir également dans. On les trouve parfois sur eBay, USA aussi, pareil. C'est pas extraordinairement cher. Ça, c'est une réplique de la clé. Si quelqu'un veut la peser, c'est pas de la résine. Ça, c'est une réplique de la carte, créée par un ami qui travaille un petit peu là-dedans. Je l'ai un petit peu abîmé, parce que j'en suis servi sur un tournage. Ouais, ça donne un peu plus d'authenticité, ouais. Mais ça, qui fait un peu plus bien. Donc voilà, c'est comme ça. Après, je garantis pas que c'est exactement l'identique, parce que j'ai vu dans le film qu'il y avait des petites taches un peu partout, là, il les a pas mis. Enfin, voilà. Ça, c'est une réplique du bouquin, enfin, du livre. J'ai une portefeuille de Chester Copperpot avec une carte, bon ça c'est une des années 70, mais pas. Ça c'est un autre son de tournage, c'était donné uniquement aux gens qui ont travaillé sur le film. Enfin, les acteurs l'avaient, les réalisateurs, les producteurs. C'est vraiment très proche. Ça c'est pour l'annonce 16 mm en 5 mm. Ça c'est une réplique d'un super-héros, donc je ne fais pas moi-même, hein, je ne sais pas, mais c'est pour l'annonce. Avec une carte de l'acteur, je vais en mettre un peu de formidable.
Ça, c'est des photos que j'ai imprimées, que j'ai imprimées dans ma collection, que vous pouvez trouver sur Internet, sur le blog en l'occurrence, vous pouvez les télécharger. Ça, par exemple, un petit peu de photos qui proviennent de Rhoda Sifai. C'était la professeure en fait, des Goonies, des acteurs sur le tournage. Elle a un album, c'est studioteacher.com, je crois. Et il y a des tonnes de photos du tournage. C'est vraiment à découvrir si vous aimez le film, vous allez voir plein de choses. Notamment des photos de la fête que j'avais fait à Wyatt Fête, le tournage, avec Richard Donner et tout ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tournage. C'était pareil sur le film.